Donc, quand on travaille, il y a des choses qu'il faut faire de façon... Penchez-vous à droite. Penchez-vous à droite. Voilà. Et déplacez les épaules par l'arête gauche. Penchez-vous à droite. Et avancez votre épaule gauche. Sans lâcher le coude gauche. Penchez-vous. Voilà. Oui, ça c'est l'asymétrie que vous avez avec la cravache pour faire marcher le postérieur droit en avant. Effleurez. Hein? Cheval de faire des petits attouchements sur ses jambes à soi pour voir comment travailler, comment arriver à travailler souplement et d'arriver à déposer la cravache sans frapper, sans même frapper délicatement. C'est arriver à déposer la cravache. Poids du corps. Avancez, avancez. Voilà. Doucement. Et là, demi-volte serré en tenant les hanches. Avancez maintenant, ne vous penchez pas à l'intérieur, avancez l'épaule droite autour de votre jambe gauche. Voilà. Très bien. Alors, l'important dans l'exercice, c'est de ne pas se pencher à l'intérieur. Appuyez vers la ligne du milieu, plutôt vers X. Tu peux passer X. Voilà. Gardez le cheval aussi compact. Marchez droit une foulée. Demi-tour serré à droite. Demi-tour serré à droite. Autour de votre jambe droite. Serré. Appuyez vers la droite. Voilà. Descendez à droite. Soutenez le postérieur droit pour qu'il aille en avant. Dans le déplacement. Essayez de choisir la tête. Essayez d'assouplir un tout petit peu aussi en avant. Appuyez vers la ligne du milieu. Amenez les épaules du cheval, avancez l'épaule droite. Votre épaule droite. Voilà. Avancez, faites marcher le postérieur gauche en avant. Demi-tour serré. Là, doucement. Et appuyez vers la gauche. Faites marcher le postérieur gauche en avant. Grâce à la jambe gauche et l'assiette en avant. Dans le déplacement latéral, l'assiette en avant. Voilà. Voici en arrivant à la ligne du milieu, faites une volte, hanche en dedans. Tâchez de voir où vous la commencez pour la terminer au même endroit. Assoir, assoir reine gauche. Assoir, hanche en dedans. Assoir, avancez votre épaule gauche, hanche en dedans, volte, hanche en dedans. Avancez votre épaule gauche et pas coincer le cheval sur l'arrêt droite. Demi-arrêt à gauche, déplacez les épaules autour de votre jambe droite. Voilà, encore. Revenez à vous dans votre... là où vous avez commencé. En champ dedans, attention, on n'est pas en champ dedans. Là. On n'est plus en champ dedans. Ouais, voilà. Déplacez demi-arrêt à gauche et ramassez les hanches par la jambe gauche. Et appuyez à la droite. Pardon. Et appuyez à la droite. Ramassez. Poids à droite. Poids à droite. À droite. À droite. Oui. Parce que vous manquez de jambe droite. Dans le même moule. Voilà. J'ai dû vous aider comme ça. La, 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 la. Ouais. Voilà, bien, bien. Pas plus. Attention, ne pas passer derrière la verticale. Voilà, ça n'est pas plus vite. Je crois que c'est à vous que j'ai dit ça hier. Comme si le cheval trottait sur dans du sable brûlant. C'est à vous ou non? Non. Non, bon. Voilà. Il doit mieux se détacher du sol. Il doit être plus vibrant. La vibration, c'est une augmentation d'équilibre dans le même rythme. Bon, pour ça, j'aime la musique techno. Oui, oui, oui.
Alors, c'est pas si vous allez passer et vous allez avec votre voix dire là, 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 là. Aussi fort que moi. Là, 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 là. Et pesez, avancez. Là, 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 là. Voilà. Parce que c'est vous dans votre tête qui poussez la profession du chemin. D'accord. Voilà. Et quand vous avez une hésitation, avec une voix stable, vous faites là, 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 là. Allez-y, allez-y. Là, 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 là. Vous voyez ? Parce que pas là, 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 c'est là, là, là. Parce que là, 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 ça veut dire que le chat, il peut courir. Tandis que là, là, là. Allez-y. Calme. Là, 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 là. Voilà, vous voyez, vous imposez. Parce que si vous osez parler à voix haute et forte, tout votre corps va rentrer au rythme dans lequel vous parlez. Donc vous imposez quelque chose. Et à un moment, vous imposez, vous êtes plus avec le cheval, vous êtes plus dans la selle et tout. Pas accélérer. Là, 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 là. Voilà. Et il ne faut pas aller regarder pour lui ce qui se passe dehors. Il ne faut pas tourner la tête pour voir si l'animal est toujours là. Hein.